Et voilà, c'est parti. Le coup de sifflet donné. Le ballon au sol. Tentative de ramassage du côté aigri. Intervention de monsieur l'arbitre. Le ramassage n'ayant pas été effectué au galop. La possession donc immédiatement pour les 12 de l'équipe visiteuse. Je suis pas marché. La possession rassoise. La possession rassoise, mais pas de défense de l'équipe aiglie. Le lancer pour Lola. Le lancer au premier rang. Personne ne peut prendre cela. Et des amis chargés de ramassage. Intervention de M. l'arbitre qui redonne la possession à l'équipe aiglie. Pénalité numéro 3, donc pour les deux, avec Laetitia pour lancer une nouvelle offensive. Du coup, Lola dans l'axe. Lola. Et pour les deux, dans l'axe, ramène l'équipe aiglie à égalité. Pas de shoot improbable aujourd'hui pour Lola. Pas de shoot qui rentre. Le lancer au deuxième rang pour l'équipe de match, c'est Rose qui se saisit du ballon. Immédiatement pressé par l'équipe de Lille, le centre de la pour match. Dans ce point. La numéro 5 de l'équipe de match prise directement par l'occasion donc pour les Philippines de prendre l'avantage dans ce match. Lucille, Camille, pour la deuxième offensive. Avec Jordan, sur la gauche, devant Camille. Nouvelle offensive pour l'Aiglie avec Laetitia
Dans l'axe, Laetitia qui vient chercher le là, en se haut de sa porte. Oui, elle est top dans les fesses, oui. Et la victoire numéro 3 en faveur de l'équipe de Mach. On est venu percuter la défense du côté de l'Ombrie. C'est parti sur la droite avec Maïva. Et arrive Marion qui défend et qui arrive. Il a décidé qu'il fallait inscrire un but au shoot sa canne interdit. Le deuxième but pour la formation de Mach, l'occasion. Pour le petit peu, se reprendre l'avantage dans cette rencontre. Allez, Le lancer du côté de l'Ombrie pour Florian. Le lancer premier rang. Le ballon sur le couloir. On rend donc la possession aux joueurs de match. Nouvelle offensive pour Mach avec Charlotte dans la situation à Estelle. Et Estelle qui se prend en face de lui. Et qui marque. Troisième but pour le coup de Mach. On attend la réaction des joueurs en jaune et noir. Camille pour un nouveau lancer. Et si vous c'est lancé premier forcé par une main bleue, mais du côté de l'équipe aiguille, le ramassage. On fait demi-tour sur le ballon. Elle a retrouvé le soutien de Marion. Maïva qui se présente au lancer pour la formation de Mach. Allez, voilà. C'est lancé. Laetitia qui vient percuter la deuxième ligne machoise. Le ballon donc rendu au bleu ou jaune. Pour l'équipe de Mach avec Clermont qui défend le défensif. Intervention directement de M. l'arbitre, pénalité numéro 2. La joueuse d'aiguille est un peu en travers sur cette action. Allez,
l'option collective qui est privilégiée par les joueuses de masse à 15 mètres avec Charlotte. Qui passe à l'espoir, deuxième ligne personnelle pour Estelle Tambor de Mandy. C'est lancé, le premier alors, qui passe à l'eau, et puis le le coupé gris, elle ramène donc sa formation. Laetitia qui monte. Prostitue du Sédame de Mâche qui ne fait donc pas partie à l'engagement. Et sans problème, c'est clair, c'est celui du ballon. Les joueuses dommages qui jouent désormais à 3. On attend que Disco finisse de se soulager. Et que la scène qui porte à la partie avec Clairby. Bonne défense de l'équipe d'Église qui contraint Clairby à rentrer à la maison. On continue de Charlotte avec Clairby. Marion avec Lulu dans l'axe. L'axe bien défendu par Maïva. C'est une image. Laetitia, pas de solution pour Laetitia. Pour l'instant, elle pointe de tout Laetitia. Et non, heureusement, la défense de match avec Lulu. Le lancer pour la numéro 7 de l'équipe de match Palma. Au premier rang, c'est pris par Clairby. On retrouve le type de Stelle dans l'axe. Estelle, par solution, elle peut faire rentrer à la maison. Regardez-vous, il n'y a pas de défenseur. L'avantage dans ce match. Le lancer du côté de l'île avec Lola au premier rang. C'est pris par Rose. Bon ça. Le
possible. La possession donc toujours pour l'équipe visiteuse. Allez, Lola! 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 Le ballon, c'est dommage. Allez,
toute la ligne. Pas de solution pour trouver la troisième passe réglementaire. On rentre donc à la maison. Pour trouver le but d'un seul partenaire. Laetitia. Laetitia qui transmet la ligne. Voilà, voilà. On peut mettre le tir. Laetitia elle transmet à Marlon. Elle inscrit un but et ramène donc l'équipe d'Élie, l'égalité, ça ne fait pas tout. Alors qu'il restera une minute à jouer dans ce match. Allez, marche! Tout est par là, du côté Machua. On a récupéré les filles. Allez, allez, vite les filles! C'est soufflé. Bouge pas. Lancez le premier rang avec Charles qui retransmet à Maïva. Maïva qui cherche le but comme Derby. Lola, Lucille, 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 Lucille,